Hé, Bobé. Papa. Papa. La pleine lune est apparue hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Hé, Bobé. Tu veux toujours tout savoir. Ok, ça veut dire qu'il est temps de couronner le prince Edike en tant que prince héritier du royaume Ifitani lorsque le roi ira rejoindre nos ancêtres. Papa, peut-on le faire alors qu'il n'est pas marié? Oui, notre tradition le permet. Mais il se doit de trouver une femme au plus tard 21 jours avant son couronnement. Papa, où est-ce que aura lieu le couronnement? Jours. Je passerai les formations. Tu peux disposer. Merci.
Fiston, tu dois te préparer. Vois-tu, 21 jours après, tu seras établi dans la position de prince couronné. Est-ce que Tezemu l'a dit? C'est uniquement la norme. Vois-tu, 21 jours après l'apparition de la pleine lune, le prétendant au trône doit être couronné. Bien. Mais tes chefs traditionnels ont dit qu'ils ne reviendraient plus ici au palais. Cet événement se fait habituellement dans les marchés et non ici au palais. Alors ils n'auront vraiment pas besoin d'être absents. La pleine lune est mandatée par les dieux. Et c'est la meilleure façon d'affirmer le présumé prince au trône. Ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est drôle. Donc c'était ça le malheur qu'ils avaient prévu pour moi? Oh, ceci n'est pas une calamité, c'est une bénédiction. Voilà. C'est ça. Est-ce que t'as pas l'impression que les dieux sont de mon côté? Ils me soutiennent à cause de ma décision. Comment? Bien sûr, en me couronnant. Et en confirmant mon statut de prince de ce royaume. Fiston, ne te presse pas de faire des conclusions hâtives. Pas encore. Donc, disons qu'à l'ignorance des gens d'ici, nous devons apporter l'éducation. Je serai le prince héritier et le futur roi. Ok. C'est d'accord. C'est un fait. Mon père a également dit qu'Adani a donné 21 jours. Ça doit se remettre le jour où elle choisira un homme. Hein? Je pensais que c'était le même jour où le prince doit être couronné. Oui. J'ai demandé à mon père et il a dit « Ce genre de choses n'est jamais arrivé auparavant. » Mais pourquoi ce jour en particulier? Selon lui, il dit que Adani a dit que les dieux ont décidé que ce soit ce jour. Tu connais la bonne nouvelle? Tous les jeunes hommes de ce village viendront, ainsi que ceux qui sont à l'étranger, dans l'espoir d'être choisis. Où est-ce que la cérémonie aura lieu? Ils n'ont pas encore décidé. Mais fais-moi confiance. Quand je le saurai, tu seras la première à être au courant. Ok. Attends. Où est-ce que tu vas avec ceci? Hey, ma sœur. J'ai oublié de te dire. Tu deviens cachotier, n'est-ce pas? Non, non, non. Comment pourrais-je te cacher viens des me trucs? Dire, viens me dire. Le prince adore mon abacha. Il m'a personnellement ordonné de lui en cuisiner et de lui en apporter au palais. Né, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle. Ah. Très bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout. La paye est très bonne. Elle est très bonne. Vraiment. Je suis très contente. C'est là-bas que je vais. Genre, tout de suite? Oui. Je veux aller lui apporter au palais. Allons-y, tu pourras rentrer à la maison pendant que je m'en vais au palais. Que je rentre chez moi. Tu veux m'accompagner? Ok, allons-y. Pourquoi est-elle toujours la favorite? Pourquoi est-elle si chanceuse d'avoir toujours ce dont j'apprécie? Maintenant le prince? Non. Je ne peux pas la laisser voler mon rêve. Je dois agir maintenant. Avant que ça ne devienne autre chose que du business. Je dois gagner le cœur du prince. Je le mérite. Donc, qui t'a appris à faire ça? Ma grand-mère. Elle devait avoir une grande réputation en faisant ceci. Oui, c'était le cas. Elle était payée pour servir de la bacha à différentes occasions. Oui. Bien. En fait,
Avec ta façon de cuisiner, crois-moi quand je t'ai dit que l'homme qui t'épouse est un homme très chanceux. Déjà, moi je suis chanceux de manger ça, donc quand je parle, je crois vouloir manger ceci tous les jours de ma vie. Réfléchis à ça. Pouvons-nous s'il vous plaît parler d'autre chose, mon prince? Ok. Je suis désolé que ce sujet te mette mal à l'aise, ok? Donc, la balle est dans ton camp. Tu veux donc parler de quoi? Ok. Vous viviez à l'étranger, pas vrai? Ouais. Comment est la vie là-bas? En dehors de la bacha. Oui. Ok. Que mangiez-vous? Ah, les repas? Oui. Tout sauf de la bacha. Je vous salue, mon prince. Je vous salue, belle jeune dame de ma communauté. Comment tu vas? Je vais bien, merci, mon prince. Bien. Mais que faites-vous ici? Et comment avez-vous trouvé cet endroit? Beaucoup de questions en un seul temps. Alors, je commence par laquelle? Désolée de vous importuner avec mes questions. Commencez par n'importe laquelle. Bien. Je commence par la question qui est plus importante pour moi aujourd'hui. Ma question, c'est quel jour nous sommes aujourd'hui? Mercredi. Mercredi. Mercredi, c'est le jour où j'ai mon Nabacha. Donc, je suis venu chercher mon Nabacha. Mais je vous l'emmène toujours au palais. Quelques petites règles ont changé. Donc, aujourd'hui, je veux mon abacha, ici, si c'est possible, dans la marmite dans laquelle elle a été préparée. Mon amour, tu dois être patient envers moi. Aide-moi à supplier ton père de m'accorder un peu de temps. Tu sais, il faudrait que je retourne cette fois-ci avec ma femme. Et avec tout ce qui se passe, il pourrait perdre patience et me mettre la pression, ce qui pourrait me pousser à envisager d'autres options. Le feras-tu? Tu sais bien que non. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. Merci beaucoup. C'est une raison de plus pour que tu me donnes encore un peu de temps. Je vais essayer. Ok. Mais s'il te plaît, ne me rends pas les choses plus difficiles. Je ferai de mon mieux. Merci de me comprendre. C'est bon. Tenez. Et où est-ce que tu vas? Je vais vous chercher une cuillère. Ah non, 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 non. Ça, j'en ai plus besoin en réalité. Je pensais que vous vouliez manger. Apparemment, je suis arrivé un peu trop tôt et puis la marmite est encore au feu. Donc, le temps que j'ai maintenant, c'est que tu t'asseyes là et qu'on discute. D'accord, mon prince. Ok, maintenant, voilà ma question. Pourquoi, à chaque fois, tu fais la naïve quand je parle de fréquentation entre nous? Parce que je connais ma place. Vous êtes de la royauté et je ne devrais pas dîner avec la royauté. Je vais te décevoir quand je vais dire non. Tu n'y es pas. Ma mère n'est pas de la royauté. Pourtant, elle est la reine. Et mon père n'exige pas que j'épouse absolument une noble. Je vais te surprendre encore plus. Mon père n'a jamais été un fanatique des relations exclusives entre nobles. C'est super de sa part. Mais désolé de demander, mon prince. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ceci? C'est que tu me plais. Tu m'as plu la toute première fois que je t'ai rencontré. Et puis, cela a continué quand je suis rentré ici. Tu occupais mon esprit. Après tout ça, encore, quand
j'ai goûté à tes délicieux mets traditionnels et te rencontrer à nouveau m'a fait tomber amoureux de toi. Mon prince, je ne sais vraiment pas quoi dire. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, il s'agit de ce que tu fais. Nos salutations, Adane. Soyez-les, bienvenue dans mon humble demeure. Adane, nous sommes honorés d'être dans ta présence. Que me vaut cette visite? La pleine lune est apparue et a disparu. La date du couronnement du prince a été fixée. Le même jour, nous avons décidé pour votre cérémonie de choisir un homme. Et ces deux événements sont deux lignes parallèles qui ne peuvent se rencontrer. Oui. Adane, comment allons-nous combiner ces deux événements? J'ai décidé avec les dieux que ces deux événements auront lieu au même endroit. Adane, comment? Au même endroit? Mes craintes sont devenues tellement réelles pour moi. Alors cette sorcière fait tout ce qu'elle peut pour que le prince soit amoureux d'elle. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Que Dieu m'en garde. Bonjour, ma princesse. Bonjour, Onyema. S'il vous plaît, où se trouve le prince? Y a-t-il un problème? Pourquoi le cherches-tu? Il n'y a aucun problème, mais il y a quelqu'un là dehors qui cherche à le voir. J'imagine qu'il doit être dans sa chambre. D'accord, merci, ma princesse. Il n'y a pas de quoi. Je vous salue, mon prince. Bonsoir. Assieds-toi. Bon. Qui es-tu et que puis-je faire pour toi? Je m'appelle Iboubé. Ok. Fille de Mazio Kole, membre distingué du cabinet. Mm-hmm. Impressionnant. Donc, que puis-je faire pour cette fille de l'honorable membre du conseil? Mon prince. Ouais. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Mais j'ai décidé de prendre mon courage et de venir vous dire la vérité. Ok. J'écoute. Je vous aime. Je t'apprécie aussi. Vous m'aimez? Non, j'ai dit je t'apprécie, comme j'apprécie tout ce qui est autour de moi. J'ai jamais dit aimer. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Mon prince. Mon prince, je vous aime et... Et tu devrais arrêter ça. Maintenant, écoute-moi. Je vais être gentil avec toi. Il y a déjà quelqu'un que j'aime. Et tu vois, dans mon cœur, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre à aimer. Il n'y a plus de place pour
toujours aimé quelqu'un d'autre. Ok? Donc, s'il te plaît, écoute ceci. J'admire ton courage, mais sors-toi tout ceci de la tête. Il n'y a plus de place là où nous sommes. Retiens-le. Bonne journée. Comment tu vas? Je vous salue, élu des dieux. Laissez-nous. Ezedibia, je suis très déçue de tes actions dernièrement. Je suis désolé, élu des dieux. J'ai fait de mon mieux. Et qu'est-ce qui empêche les dieux de punir mes adversaires? Ils ont refusé d'agir selon mes instructions. Les choses vont de travers. Qu'est-ce qui va de travers? Tout va mal. Je suis désolé, j'ai besoin d'utiliser vos pouvoirs. Et Zedibia, cela veut-il dire que vous avez perdu votre autorité et votre statut devant les dieux? Pourquoi la pleine lune a-t-elle apparu? Je l'ai vue venir. J'ai essayé de l'arrêter, mais j'ai perdu le contrôle. Je vois. Eboubé. Ah, Eboubé, qu'est-ce qu'il y a? Tueuse de destinée. Eboubé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi m'appeler tueuse de destinée? Tu t'es dit être mon amie. Pourtant, tu es sur le point de me voler la vie dont j'ai toujours rêvé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ce que je veux dire. Le prince. Épouser le prince et devenir la reine des Fidani. Eboubé. Tu ne m'as jamais dit que tu aimais le prince. Je ne savais pas qu'il te plaisait. Menteuse, tu dis que je suis ta meilleure amie. Pourquoi dois-tu me mentir? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous sortiez ensemble au lieu de prendre le business comme excuse? Non. Honnêtement, j'allais te le dire. De plus, nous avons commencé à parler de notre relation hier. Shinachu, tu mens. Je ne vais plus jamais te voir près de moi. Eboubé, si non. Tu me touches... N'importe quoi. Eboubé, s'il vous plaît, laissez-moi y accepter là. Non, ne dis pas ça. C'est impossible. Mais c'est ma meilleure amie. Non, tu peux arrêter ça. Arrête ça. Ne sors plus jamais cette expression de ta bouche devant moi. Ta meilleure amie, elle ne mérite pas ce titre, non. Si elle était ton amie, elle ne se battrait pas contre ce qui est à toi. Je vais te surprendre. Est-ce que tu sais qu'elle est venue au palais aujourd'hui? Essayer de me séduire, moi, pour que je lui fasse l'amour, sûrement. Vraiment? Bien sûr, je te dis. C'est dans cette audace que ta soi-disant amie est. Et pour ta sécurité et ta bonne santé, garde tes distances avec elle. Tiens-toi très loin d'elle. Crois-moi quand je te le dis. Tu es celle que je veux. Tu es celle que j'ai choisie. Et je ferai ma part. Maintenant, souris-moi. Un effort.
Je pense que le moment est arrivé pour que tu m'enseignes la bacha. D'accord? Ok, allons-y, après toi. Vas-y. Je vous salue, mon prince. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée. Je sais que vous êtes fâchée contre moi, mais je veux juste... La seule raison qui me met en colère, c'est de voir ton visage ici. Je repose ma question. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mon prince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te le dire. Deux choses. Je ne veux plus jamais voir ton visage traîner autour de ce palais encore. La seconde chose que tu dois retenir, c'est encore une fois, tu perturbes Genato. Je vais rendre la vie désagréable pour toi. Je suis... Encore? Sors. Mon prince, je suis désolée. Sors d'ici! Sors d'ici! On aura tout vu sur cette terre. Pouvez-vous l'imaginer? Elle compte épouser le prince. Elle veut être la reine de notre village. Pouvez-vous l'imaginer? Elle a du grand. Ma chère. Attendez, vous avez vu ses cheveux? Ma chère, tu seras sa domestique personnelle lorsqu'elle deviendra reine. Vous êtes folle toutes les deux. Oui, la raison pour laquelle nous sommes ici est au-devant de nous. La puissante élue des dieux. Adani. Avant de procéder au couronnement du prince, nous allons d'abord exaucer son souhait, qui est de choisir un homme. Je prie donc Adani de faire son choix. Thank you.
Je choisis celui-ci. Quoi? 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 Reste à ta place. Tu es malade. Ça va pas bien. T'as bu avant de venir ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me touche pas. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi tout ça? Père, c'est quoi cette insulte qui nous est faite? Non! J'ai été très méprisé. Ouais, tu peux partir. Va-t'en d'ici. On n'a pas besoin de toi. Non, mais c'est quoi ça? Hé, toi, tu restes à ta place, ok? Toi, on y va. De toute façon, j'ai pas besoin de son accord. J'ai pas besoin de ça. Père, mère, Ono, faisons la cérémonie. Ezemo, faisons le couronnement comme il se doit. Pourquoi est-ce que vous perdez du temps? Vous désobéissez à la pleine lune? C'est ça? Vous voulez que les dieux se retournent sur vous? Allez, faisons le couronnement. Oublions cette femme. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés en tant qu'Onohu de ce royaume. Voilà. Femme, où est le prince? Ma chérie, pourquoi ces larmes? Mais elle t'a choisi. Et moi, je t'ai choisi. Nos avis importent peu. Au contraire, c'est ce qui importe. Fais-moi confiance. Écoute, contrairement à ce qu'on pense, ce sont nos choix qui importent. D'accord? Je suis un homme. Et je suis un adulte. Je fais mes propres choix. Et mon choix, c'est toi. C'est une déesse. Une divinité vivante. Nous ne pouvons pas lui dire non. C'est ce qu'elle nous faisait croire. Maintenant, les temps sont révolus. Est-ce que les choses doivent rester pareilles? Non. Mon choix, c'est toi. J'ai peur. Ne le crois pas. Je t'ai choisi, toi. C'est toi que j'ai choisi. Il a osé me rejeter en public. Adani, s'il vous plaît. Nous sommes désolés. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il a réveillé la lionne qui sommeillait. Et j'infligerai une misère inoubliable à ce royaume. Si dans 3 jours, il ne change pas d'avis. Je vous en prie, grande déesse, je vous en prie. Nous allons nous rassurer qu'il change d'avis. Nous allons tout faire pour le persuader, je vous en prie. S'il vous plaît. Dans 3 jours. Sinon, Ifitani connaîtra une telle chaleur que tout être vivant ne pourrait le supporter. Adani, écoutez. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à nous. Aie pitié. Pardonnez-le, du moins pour l'amour de la génération à venir. S'il vous plaît. Onohu. Alors faites le nécessaire. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ezedibia, c'est assez difficile ce que tu demandes. Car tu sais très bien ce que cela signifie pour moi. Ça veut tout dire. Ça veut simplement dire la fin du règne.
deux mâles lignés. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des traditions que vous avez choisies de protéger votre majesté. Ezidibia, tu as raison. Mais... y a-t-il un remède? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour éviter ceci et faire que la plaie disparaisse? Je veux dire, qu'on ne pourra assez rien... Votre majesté, attention à vos paroles. Avant d'inciter la colère des dieux. Le choix d'Adani n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est un bonheur pour toute famille qu'elle choisit. Ezidibia, la bénédiction pour une personne peut être une malédiction pour une autre. Maintenant, dis-moi, perdre un royaume, perdre un trône qui m'a été confié par mes ancêtres, est-ce une malédiction ou une bénédiction? Il a été choisi et il se doit de répondre. Adani a donné 3 jours. Sinon... Hé, Bobé. Oui, papa. À voir ta sauce, on dirait qu'elle a l'air très bonne. Merci, papa. Papa, pourquoi est-ce que le roi désapprouve le choix d'Adani? Parce que cela lui coûtera sa tête. Et le trône des Fitané quittera la lignée royale. Le prince mourra? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce qui se passe, c'est que toute personne qui marie Adani va quitter la maison de son père et ira habiter avec elle. Et cette personne va perdre tous ses droits traditionnels. La richesse de son père, le trône, entièrement tout. Alors tu peux comprendre pourquoi le roi n'est pas content. Wow. Alors si le prince épouse Adani, il n'aura plus jamais d'héritage. Je suis contente pour ça. Hé, Bobé, tu es contente à propos de quoi? Non, rien. J'ai dit que j'étais triste. Hé, Bobé. Papa. Hé, Bobé. Papa. Fais très attention. Ok, papa. Surtout, je ne veux pas que tu t'approches de cette famille. Ha! Fais attention. Toujours en train de me faire parler, même quand je mange. Je me suis plaint. Je me suis lamenté. J'ai élevé la voix à cause de l'extrême pouvoir donné à cette femme. Donné à cette idiote. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vos yeux sont ouverts maintenant? Hein? Père, écoute, nous sommes la famille royale. Le changement commence par nous. Ça doit changer. Père, tu dois décider. Père. Père, parle. Tu vois, le roi n'a rien à dire. Mais moi, j'ai à dire et je vais parler. Je ne vais jamais épouser cette idiote de femme. Jamais. Elle menace tout le royaume entier. Je m'en fous. Ça veut simplement dire la fin du règne. Je m'en fous. De mal ligné.
L'homme dont la maison est en feu ne va pas à la chasse aux rats. Dis-moi, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mes mains sont liées. Je suis au milieu de tout ça. Je ne peux pas combattre une tradition que je protège. Alors, ce que tu voudrais dire, c'est que nous devons laisser le prince épouser Adani et quitter le palais? Ma reine, peu importe la décision qu'il prendra, c'est bon. Et je ferai tout ce qui est possible, tout ce qui est à mon pouvoir pour rester loin de lui et de ne pas influencer sa décision. Oui. Mon prince, tu dois absolument sauver ce royaume. Je ne laisse ça à personne. Je ne veux pas être la cause de la souffrance de ce royaume. Tu ne le feras pas. On peut traverser ça. On peut traverser ça à deux. Je suis faible. Je n'ai pas la force pour me lancer dans cette bataille. Alors laisse-moi être ta force. Je serai fort pour nous deux. Comme je l'ai dit, on peut traverser ça. J'ai peur. Ne le sois pas. Je vais te protéger. La foi et l'amour nous protégeront. N'aie pas peur. Adani, je t'en prie. Faites un autre choix. Il est l'héritier au trône. Je n'ai pas d'autre fils. Il n'y a personne d'autre pour régner après moi, je t'en prie. Mon bonheur passe avant le trône. Je n'en dis ce qu'on vient absolument pas. Mais mes ancêtres seront vraiment très déçus de moi si jamais je laissais tomber le trône qui m'avait été donné. Si jamais je le laissais me filer entre les doigts. Je t'en prie. Le prince est mon choix. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il sera à moi. Ok, mais je vous en prie, pouvez-vous, s'il vous plaît, étendre votre grâce? L'Éphitanie n'a plus que 2 jours. Sinon, le peuple verra ce qu'il n'a jamais vu. Ce royaume périra si jamais tu ne changes pas d'avis. Laissons-le périr. Laissons tout le monde mourir. Laissons tout le monde périr, Éphitanie. Et que chacun devienne plus intelligent en voyant tout ce qui se passe. Personne ne sera intelligent tant qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Ouais, laissons tout le monde mourir. Tout le monde. Tu ignores comment cela peut être violent. Sauve-nous, sauve ce royaume. Ce qui doit te préoccuper ici, c'est que le royaume doit se sauver lui-même de l'injustice. C'est de ça dont il faut parler et c'est de ça dont tout le monde doit parler. Tu n'as pas peur de la mort. Pour les hommes, le destin veut que la mort vienne une fois. Et c'était bien. Y a-t-il rien que tu puisses faire? Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Attends. Tu peux convaincre Adan de nous donner plus de temps? Il n'y a que les mouches.
qui accompagne un cadavre à la tombe. Va donc convaincre le prince. Oh, cela sera très difficile. Très, très difficile. Ezedibia, tu sais à quel point ce garçon peut être entêté. Comment vais-je le convaincre? Notable, je vais te le dire catégoriquement. Il serait plus facile de convaincre le prince que de s'attendre à ce que Adani change d'avis. Elle a accepté la première humiliation que lui a faite le prince. Elle ne le tolérera plus jamais. Jamais! Hey! Le royaume des Fitan y est foutu. Foutu! Ichamade. Ija Dogonu. Asa yobetra yobetren. Ichamade. Nos terres sont maudites. Nous sommes sur le point de subir une tragédie. Je prie juste qu'il n'y ait pas de décès. C'est également ma plus grande crainte. Pas seulement pour ma sécurité, mais pour les jeunes gens. Qu'avons-nous fait pour mériter ceci? C'est la même question que je pose aux dieux tous les jours. C'est la même question. Maintenant, je me demande si Adani est une malédiction ou une bénédiction pour Ifitani. Confie à quoi? À Dieu ne plaise, Ichiamade. Comment oses-tu proférer de telles abominations? Comment oses-tu dans ma concession? Si tu veux dire de telles choses, alors tu ferais mieux de partir. Je suis désolé, mais... Je ne voudrais plus t'entendre dire ce genre de choses. Non mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Un ancien comme toi? T'es censé ne jamais dire ce genre de choses. Ne sais-tu pas ce que représente Adane? Comment oses-tu? Je crois que tu ferais mieux de partir avant que tu ne commences à dire des bêtises qui vont contaminer ma concession. Mais est-ce que tu es en train de me chasser? C'est mieux que tu t'en ailles. C'est mieux que tu partes. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Je m'en vais. Un ancien de ton rang qui continue à dire des bêtises. Hein? Non mais c'est quoi ça? Tu ne parviens pas du tout à contrôler ta langue. Non mais tu t'imagines?
Lève-toi! Élu des dieux. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je ne suis qu'une simple orpheline. N'aie pas peur. Ne dors pas sur ta destinée. Chinato, fille de Okuma. Vous me connaissez? Et mon père également? Ton existence est un mystère pour les hommes. Un rêve pour les immortels. Tu es favorisé. Mais que dites-vous? Viens avec moi. Mon nom est Ijele. Appelle-moi Ijele. Viens. Ouvre. Chinato! 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 Vous n'avez pas répondu à toutes mes questions. Parce que je n'ai pas la réponse à toutes tes questions. Vous êtes un spiritualiste. Si vous ne pouvez pas me répondre, alors qui Annie, le fera? C'est la seule qui puisse te donner des réponses. Qui est Annie? Ton père ancestral. Mais il est mort. Cela veut-il dire que mes questions n'auront jamais de réponse? Tu peux toujours communiquer avec lui. Ceux qui prétendent parler avec lui n'ont jamais entendu sa voix, ne serait-ce qu'une seule fois. J'arrive. À mon retour, le processus pourra commencer. Éduqué, nous n'avons plus qu'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Oh, s'il te plaît, parle-moi d'autre chose. Écoute, je t'ai appelé pour me plaindre de ma femme. Je suis allé la voir et je n'ai trouvé personne. Après demain, ce royaume risque de ne plus exister. Cela devrait être ta préoccupation majeure. Tu crois vraiment que je me préoccupe de ce royaume maintenant? T'as cette impression? Regarde-moi, regarde mon visage. Tu crois vraiment que je ressemble à quelqu'un qui se préoccupe de ça maintenant? Je me préoccupe de ma femme. Je me préoccupe de son état. C'est en elle qu'est le futur. Il n'y a pas de futur. Si jamais nous tous nous devons mourir, il n'y aura aucun futur. S'il te plaît, sauve-nous. Finalement, je pense que vous êtes tous ma famille, une bande d'ingrats et d'injustes. Tous. Vous êtes tous ingrats. Vous ne vous préoccupez pas de moi ou de mon bien-être, mais de vous. Vous vous souciez de la raison pour laquelle vous allez vivre demain. Et non pas de mon bonheur, et non pas de ma place dans la vie. Et en même temps, vous pensez que ce bien-être repose sur moi.
Donc écoute-moi maintenant. Chacun de vous doit préparer sa vie après, parce que moi, je ne vais jamais, 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 jamais épouser Adani. Ils l'ont rendu aveugle. Qui sont-ils? Demain, Efitani subira la ruine. Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce désastre? Demain, quiconque aura semé le mal le récoltera. Je suis confuse. Je n'ai pas les réponses à tes questions. Dans ce cas, qui les a? Adani. De ma communauté? S'il vous plaît, à l'aide. Papa, 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 réveille-toi. Papa, hey, je vais faire... Papa. Papa, je t'en prie, papa. Papa. Papa, réveille-toi, je t'en prie. Papa, réveille-toi. Oh. À l'aide, je vous en prie, à l'aide.
passer là? Est-ce la calamité dont parlait Adani? Hey! Non! Ma femme! Ma fille! Ma famille! Ma femme! Hey! Ma femme! Ma femme! Ma famille! Ouais. Bien sûr. Les choses ne changeront pas dans cette terre tant qu'ils n'auront pas fait des preuves. Oui, je suis là. Je suis là. Tu vois maintenant? Je vous rappelle. Je vous rappelle. De quoi est-ce que tu parles? Éduqué, tu vois ce que tu as causé? J'ai demandé de quoi est-ce que tu parles? La colère de Dieu s'est abattue sur Léphitane à cause de ta tétudesse. En plus, depuis quand est-ce que tu entres dans ma chambre quand tu veux? Et ma deuxième question c'est, depuis quand est-ce que tu as ces manières devant moi? Hein? Maintenant, est-ce que tu peux te calmer et me dire exactement de quoi est-ce que tu parles? Adani, Adani, je t'en prie, je vous en prie, usez de la miséricorde au lieu de la justice. Ayez pitié de mon fils, je vous en prie. Je vais lui parler de nouveau. Il sera là très bientôt. Il vous épousera, je vous en prie. Non! Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu de ne pas réveiller ma colère, mais vous êtes imposteur, ton heure a sonné. Qui es-tu? Chinatu, fille d'Okuma et descendante d'Ani. Tu mens! Tu connais la vérité. Tu sais que tu n'es pas la d'Ani. Ta famille a conspiré avec le grand prêtre pour me voler mon statut. Tu es allé jusqu'au point d'acquérir des pouvoirs des nains des collines de Wara pour protéger ta place et ainsi aveugler les dieux. Et tu as continué à jouir de beaucoup plus de pouvoir en ta position d'Adani, de façon à faire passer la famille royale en second plan contre la volonté des dieux. Ceci est un blasphème et je te le ferai payer. Si j'étais toi, j'abandonnerais. Ezedibia est mort. Et ceux-ci tomberont avec toi si tu ne te laisses pas faire. Non! Non! Je ne te laisserai pas prendre ma place. Jamais! Je te laisserai... C'est pas...
pas vrai. Adani. Adani est tombé. Adani est tombé. Elle est debout. Adani. La Dani n'a jamais été faite pour gouverner, mais pour être la protectrice spirituelle du roi. Le devoir principal d'une Adani est de protéger le roi et de protéger le royaume. Toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les gens qu'ils aimaient. Parfois, des sacrifices doivent être faits pour récolter le succès. Aujourd'hui, les Fitani reviendra dans les normes. Issei!